je pense que c'est sensationnel, le PO. Il y a autant de joueurs, 216 golfeurs, l'organisation, des personnalités aussi qui ont répondu à l'appel. Oui, Pat Burns, c'est un gros nom, c'est un nom bien connu dans la région, mais également dans la sphère du hockey. Et le fait que toutes ces personnes-là soient ici réunies là, en mémoire de Pat Burns fait en sorte que, assurément, ça va être un succès. Mais ça a été un travail colossal du comité organisateur et du club de golf TCOMC pour avoir la première édition du tournoi de golf Pat Burns. Soit instructeur ou joueur, je pense qu'on a besoin, on a des bons Québécois joueurs de hockey puis des très bons instructeurs aujourd'hui au national qui viennent du Québec, alors c'est très important pour moi. Pat Burns était un instructeur de première classe dans le national, puis il y a beaucoup d'instructeurs talentueux au Québec, puis si on peut les aider avec une fondation, pour moi, c'est très important. Je reviens d'une blessure au poignet, donc je peux pas vraiment jouer, mais non, je suis content d'être ici. Puis je pense que Pat Burns, c'est un des grands noms, un des grands entraîneurs que coaché dans la Ligue. Donc le fait qu'il est ici, puis je pense que le tournoi est à Gatineau, je pense que ça va être une belle journée pour tout le monde.